Le Maroc relève le budget de la défense et de l'armement dans la loi de finances. Le projet de budget 2022 a révélé que le Maroc avait alloué un budget énorme à la défense et à l'armement. Et le gouvernement a relevé le budget alloué au ministère de la Défense, pour toucher pour la première fois 50 milliards de dirhams. Le budget de l'administration de la Défense nationale pour le projet financier 2022 a été marqué par une augmentation significative, passant de 47,4 milliards de dirhams à plus de 50 milliards de dirhams. Cette augmentation concerne principalement le budget alloué aux membres des forces armées royales pour continuer à réduire l'augmentation des salaires et avantages conformément aux directives du roi Mohamed VI, commandant suprême et chef d'état-major des forces armées royales en 2019. Et s'agissant des dépenses dommageables à l'administration de la Défense nationale a engagé en amont sur l'exercice 2022 des crédits qui seront alloués pour l'année 2023, elles ont dépassé 115 milliards de dirhams, pour permettre aux forces armées royales de mettre en œuvre au mieux leur modernisation. Envisagent de moderniser et de renouveler leur arsenal. Concernant les positions financières, le projet de finances 2022 prévoyait la création de 10 820 positions financières pour l'administration de la Défense nationale.